Au revoir. Voilà, le pasteur est là. Très joyeux encore de pouvoir vous dire. Quel est le message que vous réservez au peuple de Dieu aujourd'hui en direct? Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Oui. J'aimerais simplement dire au peuple, viens et vois. Il y a encore un Dieu vivant qui guérit les malades et qui sauve les âmes, qui fait que le pécheur devienne un véritable chrétien et qui change de vie. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le but que nous avons toutes ces réunions, c'est pour gagner les âmes pour Christ. Et nous voulons dire ceci, le moment est arrivé pour le diable d'avoir un AVC. Un AVC. Depuis l'initiative de regrouper beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus. Ok, l'idée de regrouper tous les hommes de Dieu, c'est parce que nous croyons que nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel. Et l'amour fraternel, vous ne pouvez pas manifester Christ sans avoir l'amour de Dieu en vous. Or, Dieu est amour. Alors l'amour, là, doit faire. Le frère Bonhomme dit, si vous, l'un des évidences du Saint-Esprit, quand vous avez le Saint-Esprit, il y aura, vous aurez en vous le désir de vous rassembler avec les autres. Donc de vous unir avec les autres. Donc nous sommes ici pour faire tomber les barrières. Donc vous avez tombé les barrières, les points doctrinaux et les restes. Voilà, faites tomber ces barrières-là et mettez la main de ce sang. Et nous croyons que cette série de réunions va continuer. Oh, ça s'arrête, parce que je n'ai que le début. Il y a encore de vraies choses qui arrivent encore. Merci beaucoup, parce que le Seigneur dit. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Il y a encore d'autres prédicateurs là, en direct. Il y a des prédicateurs ici. Les frères Salem, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, amen aussi. Également. Frère Salem, vous êtes en direct. Oui. Dis-nous un peu votre impression par rapport à la réunion organisée par le Réforme Serviteur également. Oui, premièrement, c'est une joie immense. C'est une joie immense. Et depuis hier, on était ici. Franchement, c'était houleux. La prédication du pasteur Mariac. Et après, le révérend Nemo en provenance de Kinshasa, c'était couleur parce qu'on avait eu aussi bon nombre de ceux qui avaient accepté aussi le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc on était là, vraiment c'est houleux, Dieu est en train de faire ses merveilles. Vraiment que Dieu bénisse richement le pasteur Gabel qui organise ces bons moments bénéfiques, comme on appelle spirituels. Donc on vient aussi au nom du pasteur Ludovic Mpassi qui est encore aux États-Unis. Il y a toute l'église est là. Et donc, vraiment que Dieu soit avec nous du début jusqu'à la fin, qu'il continue d'attirer les nouvelles âmes à Christ. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Vous attendez voir Dieu aujourd'hui? Vous attendez voir Jésus encore aujourd'hui? Vous attendez voir la personne? Bon, non, pas voir la personne. Franchement, notre objectif, c'est de voir Dieu se manifester au centuple, plus que même la journée d'avant-hier et d'hier. Que Dieu se manifeste à travers les prédicateurs, à travers les âmes qui vont venir à Christ, à travers... les guérissons et à travers les manifestations, les délivrances, vraiment c'est notre objectif pour aujourd'hui. On veut voir Dieu se manifester vraiment dans ses enfants. Merci beaucoup. C'est cela vraiment. Merci beaucoup, frère Salem. Il y a encore des hommes de Dieu. Voilà. Comme un direct, je vais approcher. Je vous remercie. Que le Seigneur Dieu bénisse. On a besoin de savoir quoi. Et quelle est votre motivation d'assister à la réunion aujourd'hui? La motivation parce qu'on veut soutenir la bonne cause. Parce que là où il y a les affaires de faire, les enfants de travail. Voilà. Nous croyons que quand on entend ton bien pour Dieu, tu seras au rendez-vous. Ne sors pas que nous avons des éminents hommes de Dieu qui vont nous prêcher la parole. Nous croyons qu'aujourd'hui le diable a chuté. Et vous attendez quoi aujourd'hui? Voir la personne ou voir Dieu? Voir Dieu de Branham, me faire sortir de l'histoire. Parce que Branham dit je ne connais pas ma Bible, mais je connais l'auteur de la Bible. Parce que c'est le monsieur que nous voulons voir. Tic au tac, le Dieu de Branham à l'œuvre, qui guérit les malades, qui donne le Saint-Esprit, qui pardonne les péchés. C'est celui qui nous pardonne. Voilà, merci beaucoup. C'était au bénéfice. Voilà, on continue. Nous sommes bel et bien dit. Là où se tient la réunion d'évangélisation organisée par l'église La Voix de l'Aigle Tabernacle, dirigée par le révérend pasteur Victorien Gabel. Moi je l'appelle les rassembleurs. Il a rassemblé beaucoup d'hommes de Dieu, il a rassemblé des artistes, il a rassemblé presque tout le monde. Comme ça, nous vous laissons suivre le direct qui se passe ici, dans la salle, se passe en règle. Voilà, nous sommes en direct, bien sûr, que Dieu vous bénisse. Vos impressions par rapport au déroulement de la vie, cher frère,
c'est une, comme on dit, c'est sublime. En fait, tout ce qui concerne Dieu, il n'y a pas les imperfections. En tout cas, ça va à merveille. Lorsqu'on voit des âmes, là on sort droit du jour de baptême. Les gens sont engagés à accepter Christ. Alors pour nous, vraiment, on comprend que c'est la parfaite volonté de Dieu. Et vous attendez quoi aujourd'hui? Vous attendez à voir un homme, vous attendez à voir Dieu dans la chair. En tout cas, c'est comme Dieu le sujet, monsieur, nous voulions voir Jésus. Nous sommes venus pour voir mes frères juniors, nous sommes venus pour voir mon frère technicien, nous sommes venus pour voir Jésus. Donc vraiment, on est très heureux et en attente de ce qu'il va encore faire davantage ce soir. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Nous allons entrer à quand le pasteur Gabel est venu et on a bénéficié de cette grâce, on a reçu aussi le serviteur de Dieu qui est venu de la RDC. Pour moi, pendant ce moment, j'ai retenu beaucoup de choses. Donc comme la communion, ce qu'on avait peut-être perdu d'autres fois, pour voir des frères se réunir autour de la parole, c'était quelque chose de rare. À travers de cette campagne, encore, nous sommes en communion. Moi, j'ai béni le Seigneur. Cela fait combien d'années depuis que vous avez perdu la communion ici à Kaloum? Ça fait déjà beaucoup de temps, hein? Beaucoup d'années. Beaucoup d'années, voir encore de telles choses et recevoir encore les hommes de Dieu. Pour moi, c'est... Nous sommes... Quel est le message que vous allez lancer également à d'autres églises qui nous suivent, à d'autres serviteurs de Dieu, qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir leur porte, qui n'ont pas l'habitude de faire de ces gens des règles? Ce que je peux dire, c'est d'imiter ce qui est bon, comme ce que nous avons vu ici. Et les autres aussi doivent éviter ça. Parce que de telles choses comme ça, ça ouvre beaucoup de bénédictions aussi. Parce que quand vous recevez des serviteurs de Dieu, chaque serviteur de Dieu a sa grâce et a aussi sa manière que Dieu l'utilise. Et je crois que les autres aussi, s'ils peuvent ouvrir leur porte, ils vont bénéficier de cette grâce comme nous avons reçu. Merci beaucoup, frère. C'est Dieu qui nous amène. Voilà. Nous sommes toujours là, nous allons prendre le pasteur Papi qui vient de Pointe Noire. Le pasteur Papi est là. Amen. Et vous venez de Pointe. Voilà, c'est trois grandes choses. La réunion, l'évangélisation. Moi personnellement, je suis une personne qui aime la campagne. En tant que chrétien, pas tant que prédicateur, j'aime la campagne. Maintenant la campagne c'est mon terrain. Lorsqu'il y a une campagne, mon cœur bat pour participer. Bon, vis-à-vis de ces grands prédicateurs, Victorien Gabel qui aime Jésus tellement fidéliser, il a organisé ces trois jours d'évangélisation, une campagne. Puisque une église doit commencer par la campagne, ça ce n'est même pas le commencement. L'église avait déjà commencé. Très bien. Et nous sommes venus soutenir la campagne. En fait, ce n'est pas soutenir Victorien Gabel, c'est soutenir Jésus-Christ. Très bien. Voilà, donc il fallait pas que je marche, c'est pour cela. Il fallait que je sois là. Mais si nous voulions voir Jésus. Oui, on a vu Jésus. Oui. On a vu Jésus, tant de guérisons instantanées. Des miracles palpables que je convoite, que j'aime, que je cherche. Quel est le message que vous allez lancer dans l'église, monsieur Soukou, il va y avoir non. Yo, quand on aura dit la place dans Bango, il va y avoir une communauté. Il y a une communauté, il y a une communauté. Il y a une communauté, il y a une communauté. Mais,
pour avoir la vie dans la monde et Colombie dans la monde. Eh, ma raison de mission. Ma raison de mission. Pour avoir la vie dans la monde, ma raison de mission. Pour avoir la vie dans la monde, qui sont dominés dans la monde, nous continuons dans la monde. C'est la monde. Amen. Par le pasteur du Curie Gabel. Vos impressions par rapport à ces trois grandes choses? Les impressions sont bonnes. Oui. J'ai vu Jésus en action. J'ai vu les hommes qui sont venus en Christ. Le malade était guéri. Les captifs sont délivrés. Et les enfants de Dieu ont répondu positivement. Nous pouvons dire qu'à Dieu merci. Et que Dieu bénisse le pasteur Gabel, moi j'appelle Victorie. Que Dieu le bénisse richement et tous les serviteurs de Dieu. Nous avons vu beaucoup de serviteurs de Dieu. C'était vraiment une campagne d'évangélisation, c'était une convention des serviteurs de Dieu. Bon, moi personnellement, ça m'avait aussi surpris. Oui. J'avais dit même dans la réunion, j'ai dit, j'ai du mal à m'y prendre. Oui. Parce que j'ai vu, c'est comme si c'était une convention. C'était une campagne d'évangélisation. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Je ne comprenais pas. Mais pour moi, je suis dans la joie parce que j'ai vu qu'il y a l'unité maintenant qui commence à s'installer. Hein? Parce que le prophète Branham me dit, s'il y a une action évangélique quelque part, un réveil quelque part, moi je suis pasteur, je viens fermer mon église, je vous amène mon église pour soutenir cette action. Alors j'ai compris que c'est une bonne chose. Nous allons revoir et voir aussi prochainement. Parce qu'une campagne vraiment doit se faire en plein air. Oui, oui. Pour que le non-croyant croyant au Seigneur. Mais néanmoins, on a eu quand même quelques coups de job. Quand vous avez pris les 40%, c'est déjà beaucoup. Le message que vous allez lancer à les églises qui n'ont pas eu le temps de venir participer à la campagne. Bon, l'unique message est que nous vivons au temps où il doit y avoir la communion. Nous devons croire au message du prophète Branham. Branham l'a dit. Que s'il y a un réveil quelque part, on doit fermer, venir soutenir ce réveil avec nous. Prochainement, parfois ils étaient occupés, ils avaient des problèmes, mais prochainement, s'il y a un réveil dans la vie, c'est très important. Nous sommes une famille. Le prophète dit, si vous ne, vous, il n'y a pas communion ici, c'est un. Comment vous allez communion? C'est parce qu'au ciel, il n'y a que la communion. Et nous remercions beaucoup de tout ça. C'est ceux qui sont venus. Qui ne sont pas venus prochainement, qui soient. Peut-être la toute dernière question. Aujourd'hui, vous avez prêché le même Jésus ce soir. Oui. Qu'est-ce que les gens vont réaliser la cuisine? Les gens doivent retenir le Seigneur Jésus, c'est lui qui est notre Dieu. Et il est l'unique véritable Dieu. Okay? Et il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La personne qui reçoit Jésus, il devient aussi Jésus. Il produit les œuvres de Jésus-Christ. On voit Jésus à travers lui. Voilà pourquoi Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous et même en vous pour continuer à faire son œuvre. Tout ce que nous avons vu ici, le malade être guéri, les hommes venir en Christ, c'est le même Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que l'église est la voix de l'aigle, le tabernacle, vous avez dit, ah, on a pris sa bulle, vous êtes nombreux à faire des missions. Vous en avez artiste, musicien, maman, Adrien, votre nom. Présence na yo awa na trois grandes journées d'évangélisation pour l'église, la voix de l'aigle, le tabernacle. J'ai parlé parce que Victor avait la prophète. L'impression dans les années. Sans toi, oh mon roi, que serait-il
de ma vie sans croire en mon Seigneur. Que serait-il de ma vie sans toi, ô Seigneur? Que serait-il de ma vie? Félicite, il est avec nous. Et nous, Félicite, pasteur. Amen, Félicite. C'était ici, trois grandes journées d'évangélisation que l'église La Voix de l'Aigle Tabernacle a organisé. Vos impressions par rapport à ces trois grandes journées? Oui, c'était le de Jésus-Christ sur scène. Et ça, on était derrière le parfum. Voilà les prédicateurs uniques. Ça montre déjà le signe de l'idée. Oui, bon, le temps où tout ça a suivi, parce que ça fait aussi mal. On a ma église, nous sommes sur le web, 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 nous sommes sur le web. Bon, quand je dis que nous sommes sur le web, 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 nous sommes sur le web. Son nom de jamais été surpris par un événement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Tintini, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous avons également un artiste, Moïse Tipa, que Dieu vous bénisse. Tipa. Je te bénisse aussi. Comment vous allez? Ouais, très bien, parrain. Mon précieux frère. Ouais, monsieur. Du coup, ça l'a dit. Ah, il y a une salle de solution pendant trois jours. Il est canulé. Qui donc madame, je crois que le but était de faire de tout le monde, les disciples du Seigneur, cette partie de l'écriture vient de s'accomplir aussi aujourd'hui sur la terre de Brazzaville. Donc la parole a été prêchée, il y a eu des hommes qui ont cru, les hommes sont venus à Jésus, et pas seulement ça, on va dire par là qu'il a dit ça. Il aurait tenu pendant trois jours. Nous sommes à Marseille, nous sommes à Bélé, ma musicienne Bélé, deux personnes ne peuvent tenir. Déjà, il faudrait comprendre que ce n'était pas une convention. Vous avez une campagne d'évangélisation. Alors ça montre vraiment que le corps du Christ est en train de se restituer, de se constituer encore. Parce que Bayé, pour soutenir la campagne d'évangélisation, il y a des problèmes. Donc ce n'était pas une convention ou une dans la lecture, tout ça. C'était une campagne d'évangélisation. Alors, Konara est marqué, ça montre vraiment que le corps du Christ est en train de se constituer pour le lever. Peut-être un dernier message. Chers sœurs, soyez sûrs, quand il y a des événements pareils, venez, parcourez des distances, venez soutenir. Et je crois que ce sera une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse. Toyo Kiyote? Moi, en campé, la mort de Yoga, Jésus Moïse. J'ai appris que tu bénis. Bénis-moi, Seigneur. Que je de tout ce que tu es. Voilà. Merci beaucoup. Merci.